Dossier assassinat président Jovenel Moïse Lan, mesdames, mademoiselles et messieurs, fanatiques, amis, compatriotes, TV Lakayo, nous portons tout dernier détail pour vous avec Stanley Lucas qui lui-même pral dit nous. Eh bien, qui travaille que oligarque, qui travaille que bourgeois a réglé dans le pays d'Haïti, mêlé à quelques journalistes tisoussou, journalistes tifigui, eh bien, qui eux-mêmes recevoir une grosse somme d'argent dans main bourgeois pour empêcher Stanley Lucas de même parler dans la radio pour continuer à demander justice pour président Jovenel Moïse et nèg yo recevoir machine Nissan, nèg yo recevoir en pile l'argent et nèg yo décider pour baba Stanley Lucas parler dans la radio. Et bien journaliste ça nous pral faire découvrir non yo en dans vidéo ça parce que sans filtre Stanley Lucas lagué toute cause nous connaissait pas nèg qui j'en paie moun ça l'a dit à li dil même s'il connaît l'a mouri mais l'a dit quand même nous pral faut dans Stanley Lucas qui lui-même pral ban nous non journaliste ça yo que Boulos ak Dimitri bayon gros somme l'argent et même bay nèg yo machine pour nèg yo pas jambe bay Stanley Lucas sans interview dans radio parce que faut que Jovenel rete sans justice et c'est une raison qui fait jeune jodi an après en pile nèg qui te konn parler des questions assassinat président Jovenel Moïse lan tout nèg ça yo silence et ben c'est pas sans raison nèg yo gen bagay nan men yo nèg yo joine kòb nan men bourgeois qui touye Jovenel yo nèg yo joine kòb nan men sénateur qui participe dans la mort Jovenel yo et ça fait nèg yo bébé parce que bouche nèg yo plein on va le faut en détail rete connecté bonne écoute n'ap tout travail ça que Booster John Sarah nous fait pendant 11 mois depuis l'assassinat président Jovenel. C'est nous-mêmes qui éduquer, informer, sensibiliser, mobiliser pour justice là pendant 11 mois. Donc chapeau bas pour nous d'abord. Merci. C'est travail nous fait et pas gain, c'est comme vous dit ça dans langue. Bon Dieu, c'est bon Dieu seulement qui a dit un bagage dans ça pour gens nous travail pour justice ca ouais jour dans pays d'Haïti. Bon, nous saluons nous et puis nous saluons tout auditeur. Je dis à mon petit Jean fâché. Ok. Et ben c'est même pas qui fâché facile. Même bon texte by Gary Pierre Rochard vous dire que me fâché. Parce que monsieur pas après je dis à 11 mois que tout le président Jovenel Moïse, qui est-ce que monsieur a mettre dans l'émission 2h je dis à GD Onjean, on est qui t'a essayé remettre dans coup de cassation juge qui participait dans tout le président. Monsieur t'a fait ça après assassinat président, pendant que la justice te gen mandat d'arrêt sous juge, pour Jean Retouye président. Oui. Donc, c'est monsieur qui va parler sous enquête président Jovenel Jodia, qui va quitter me fâcher. On va fâcher facile. Ok. Ça veut dire que, côté que vous t'a parlé la mémoire président, et puis vous mettez un ennemi, eh bien, directement dans la radio, pour que, eh bien, travail n'a pas fait. Non, ça va me fâcher. On est qui essaye de détruire président maintenant t'es vivant. Léo Fintouye, président, c'est monsieur qui t'a le fond montage dans le coup des comptes pour te faire une sorte de séance illégale pour, avec objectif réinstaller Ivikel Dabrezil avec Wendell Kopp qui participait dans le président. Okay. Raison qui fait que bah, elle a échoué parce qu'elle est inconstitutionnelle et illégale. Coup des comptes pas de autorité pour faire ça. Mais monsieur t'a essayé de faire deux mouns qui participaient dans le président. Monsieur t'a essayé de remettre dans le coup de cassation pour te gagner un cas. Pour te gagner immunité, pour la justice pas venir poser aux questions. Et puis c'est nex ça aujourd'hui à l'ennemi président, vous mettez pour venir faire parler de justice pour président. Me fâché, man. C'est qui radio lié encore? Scoop, Gary Pierre Rochard. Moi, j'aime bon texte, bah, monsieur aujourd'hui, à me dire, monsieur, me fâché. Non, adéquat pour le travail qu'a fait comme ça. Non, mais parce que, y a des radios en Haïti, nous connaissons déjà, et nous, en bas, déjà, nous comprenons tout. Nous connaissons que moun sa yo, c'est des moun qui étaient payés déjà pour que président Jovenel Moïse, qu'aucun moun pas parler de président Jovenel Moïse. Il y a plus de radio qui étaient pas chèque déjà pour pas passer en rien de président Jovenel Moïse parce qu'ils ont adhéré au bon, mouvement ça. Bon, dans le commencement, Gary fait tout ça capable de faire enquête by ça. On m'a une semaine ça. Si c'est oligarque Dimitri Vob qui a balle pression, si c'est Reginald Boulos qui a balle pression, Jean-Marie Vob qui a balle pression. Mais gen débay même gen débay là au fait dans société a obligé parler sous même ça m'a fait plaisir ça fait triste que m'a parlé de ça comme ça même toujours bien gen bon rapport avec Dari mais jodi a li pa ka mete on est tant couché de on Jean qui c'est l'ennemi président même les présidents yo fin touyel c'est monsieur Cap qui t'a essayé casser faire couvrir ça pour assassin ou pas mettre on est comme ça le 7 juin 2022 pour venir parler d'enquête de soit assassinat président Jovenel et donc on l'ennemi président qu'on mettait pour venir parler de ça. Moi, je suis pas d'accord. Exactement. Et nous allons rentrer un peu dans le mouvement
parce que le monde de plus en plus cap monté en bas live à Boss Agent TV Lucas et l'ama président. Est-ce qu'on va expliquer un peu commencement bataille président et fin arrivé avec assassinat et moun qui devait passer dernièrement là n'a parlé avec des moun même là international là yo di yo même yo pas jamais comprendre comment que président Jovenel Moïse là un groupe et puis il mouri comme ça pas gen moun qui avec président Jovenel Moïse et même moun qui a veillé la caillio et bien tout moun sa yo pas gon graine sécurité qui mouri. Est-ce qu'on va expliquer nous un peu début eh bien président Jovenel Moïse en Haïti et puis nous arriver avec la mort et pour qui ça qu'il mouri. OK. Et merci pour belle question ça. Président Jovenel Moïse fait campagne. OK. Il gagne une élection première fois. OK. Mais l'opposition yo gâté élection. Le 7 février 2016, mais l'opposition yo mettait un président opposition Jocelyne Brivet. Yo mettait un premier ministre opposition Enek Jean-Charles qui était dans unité et yo mettait un gouvernement de l'opposition. Ça veut dire pouvoir l'état était dans main opposition. OK. C'est eux même qui organiser élection. Yo fait tout ça au capable pour être mettre Jovenel dehors. Même Gédéon ça, c'est lui qui était dans commission falsification Jocelyn Brivet, mais yo éliminé presque 300 000 votes pour Jovenel malgré tout yo pas mettre le dehors. OK. Koulia Brivet vient faire élection. Koulia Jovenel calé nèg yo bien calé dans élection. OK. Pendant nèg yo gen pouvoir nan men yo, ministère nan men yo, tout affaire nan men yo, ou sonje Jean Assad Bolsi t'après raconter qui est-ce que Brivet te bay ministère elle démonter. Oui. Ou sonje bay ça. Oui. Koulia président Jovenel Moïse pendant campagne là te jon bay très clair, président pa gen zanmi, li vin travay pour peuple. OK. Les Jovenel entre dans palais, premier bras, il fait, qui n'a intérêt peuple, lui joigne contrat pour 4 500 000 000 $ américains pesés sous ce, que privé de signer, le couper tout. OK. Il n'a pas quitté comme l'État, c'est Oligarque Pétionville, Calvolel. Depuis les Sahara, Oligarque est fâché. OK. Deuxième côté, président, il y a un rapport normal de commission de réforme de l'énergie. Non seulement lui montrer comment nèg vo bio volé baoué qui sont bien l'état oui mais lui expliquer comment nèg yo volé 3 900 000 000 $ américains en 13 ans mais en plus de ça nèg yo était si facturé l'état pour courant pour 134 000 000 $ OK yo volé 200 000 000 $américains gaz dans BMPAD et puis gain 30 000 000 $ qui prévalté voyé au prendre dans BNC Banque Nationale de Crédit ça veut dire nèg yo gain 364 000 000 $ dans main yo que yo doué. Wow. Président Jovenel Moïse vient découvrir comment les gars volent dans gaz, comment vobe fils a volé dans six facturations route à pont. Il vient découvrir que les gars volent dans BRH, dans BNC, dans BMPAD, dans ONA, dans APN, dans EDH et Latrier. Okay. Président Jovenel, pour payer à quelqu'un de stabilité et pour payer à quelqu'un marché, lui est le négio. Okay. Il dit, monsieur, un chita, pour que ce secteur vous voyez, c'est normal qu'on fait comme. Mais, bon, Jean, pour faire comme là, faut faire ça, les profits normal. Ou pas qu'à voler l'État. OK. On dialogue. Président Jovenel Moïse commence un dialogue avec eux pour garder qui Jean, pour bagaille, qu'a fait normal dans tout comme même dans l'autre pays normal. Oui. Ça, n'est qu'il fait, n'est qu'il propose, il a discuté à Jovenel tout bon. Et puis, n'est qu'il a préparé campagne Petro-Caribé, il a préparé pays, l'autre, pendant Jovenel, a dialogué avec eux. OK. N'est qu'il a dialogue vraiment. Oui. Kouya, bon moment qui arrive, président Jovenel dit, monsieur, faut pas aller changer. Et nous avons entendu parler là pour bailler au changer. Okay. Mais il dit, président, oligarque, c'est comme ça bailler la fête depuis 50 ans. Président dit, depuis 50 ans, on a volé le pays. Et puis c'est laissé à président en 2018, comment c'est passé vitesse supérieure. Oui. En 2018, il coupé contre A et blackout là. Ok, ça c'est en 2018. Yeah. Il commence à mener un dossier sérieux. Yes. Depuis laissé à, Negio, pour entrer, il a dépensé à peu près pendant Jovenel là. Près de 100 millions à 200 millions de gouttes dans la zone métropolitaine, non, pour regarder si vous avez le président, 7 coups d'État. Vous faites une après l'autre. Ok, oui, excusez-moi, Lucas, excusez-moi. Mais nous connaissons tout. Mais président, t'es un avion, t'es qu'on apprend, hélicoptère, t'es qu'on apprend. Président, il loue, il te loue, il regarde, il loue, bagaille, ça a coûté trop, comme lui coupé, lui campé. Ok, ok. Donc, président lui-même,
les négociants font première tentative de coup d'État. Parce que c'est Dimitri Pop qui finance la campagne Petro-Caribe. Pourtant, il y a 600 millions de dollars américains Petro-Caribe qui passent dans mes vobio. Ou pas, j'aimerais ça écrit aucun côté. Entre 25 et 50% comme Petro-Caribe a passé dans mes yo. Wow. Et c'est eux-mêmes qui ont fait campagne pour mettre le président en tête. Quand il y a la campagne Petro-Caribe a campé, il va ici par le président coup d'État. Ils ont fait une deuxième tentative coup d'État avec le pays. Ils ont fait une troisième, ils ont fait une quatrième. Dernière tentative, huitième tentative coup d'État, ils ont fait, c'est 7 février 2021. Ils ont marché. Okay. Ils ont fait doublement. Ils ont fait une avec Joseph Messène qui fait discours sur le président. Comme ils n'ont pas marché, ils ont fait plan pour être tué sur l'habitation Robio Tabac le 7 février 2021. Soit sous compte Twitter, moi. Oui. Et, ou al sous compte Twitter, moi. Ou à chercher tentative coup d'État. Allez, vous mettez adresse Twitter, moi. Mon petit tableau que m'te fait, qui baille toute date, toute tentative coup d'État que n'a fait en 4 ans et demi, il sous président. Koulia, les tentatives tous les présidents échouées le 7 février, c'est laissé à n'a guère monté tentative d'assassinat. Mais malgré tout blocage que n'a fait pendant 4 ans et demi, à travers 8 tentatives coup d'État, pour sa vie d'assassinat président, malgré blocage pays, le président continue de travailler. Il fait aéroport Jérémy, il fait monde chien, il fait usine courant n'importe de paix pour alimenter 6 communes, il fait usine 60 mégawatts kafwa qui paraît que n'a besoin de voler. On usine tout neuf qui fait à comme Taïwan, Dimitri va besoin de voler encore. Donc, ça veut dire que, processus-là, l'idée gain, c'est ça, relé, opération clandestine pour éliminer le président qui a 5 composants. Okay. Gain filtration qui sont composantes, qui gain propagande pré-opérationnelle là, qui sont composantes, gain exécution qui sont composantes, gain propagande post-opérationnelle, avait dit, les au fin tout yéli, pour y a qui j'en pousse à le cadavre là, c'est pour ça l'el fin mourir, ou y a des nègres dans la radio qui dit son affaire drogue qui t'a brigé, tout ça fait partie de propagande post-opérationnelle pour des sales cadavres là. Oui. Mais ils ont échoué grâce à la vigilance peuple là. Exact. Donc, c'est un peu ça l'histoire qu'on m'a demandé de résumer. Donc, son président, pendant 4 ans et demi, monsieur travaille pour mettre pompe de l'eau, pour vous été. Monsieur travaille pour mettre barrage Marion, barrage Latanri. Monsieur travaille sous rivière Massacre pour comprise, pour alimenter toute terre dans notre dessus. Monsieur travaille pour moderniser l'État. La travaille 23 000 chefs de corruption qu'elle coupe. La travaille où son gel a récupéré tout tracteur l'État. Camion l'État qui négocie volé tout bagay ça. Donc oui. C'est pas un jouet que lié. Non. Il dit que pendant 4 ans et demi, pendant la parée coup d'État, la parée assassinat, monsieur fait tout ça capable pour le délivrer pour le peuple, pour le bâtir ça. C'est exactement. Et l'on a regardé, nous et tout. C'est pas juste ça seulement le tapet. Nous, même propre frère, t'es besoin de faire mauvais coup en de pays, lui-même n'est pas d'accord. Pas de... Non, c'est pour montrer. C'est pour montrer côté nèg rivé pendant président vivant. Mm-hmm. OK, pendant président vivant nèg yo nan ramassé al servi avec député Pierre Martin Tatout. OK, pour al servi à faire président pour bal coup nan ramassé dans émission radio. Oui, kou y a même les présidents fin mouri, même Pierre Martin Tatout ça al nan louko désir pour aller essayer assassiner caractère président, cadavre président ensemble à madame ni après que nèg yo fin tiré ni président ni tiré ni madame ni. C'est pour montrer qu'on a qui prend moun sa yoye. Pas n'en yon pas fait. Oui, mais c'est exactement le cas. Hein, nous, est que la première tentative, bon, pour nous, la première tentative kidnapping, non. Mais nous, est que c'est la direction Dimitri Vob qui était allé pour être allé mener président avec toute madame ni. Soit qu'on va expliquer peuple à propos de ça. La Tibois. Non, depuis la première, regardez, la première tentative tout le président, c'est soit habitation Vob, yon nan Tibois, que tentative d'assassinat a fait. Moun qui orchestré à la première tentative d'assassinat, 7 février 2021, c'est Dimitri Vob, c'est Jean-Marie Vob avec Yves Kelda Brésil, qui était gagné là dans l'inspectrice générale Marie-Louise Gauthier. Kou à qui ça n'a gué fait? Les tentatives coup d'État pour tuer le président échoué, n'a gué avec Marvel dans des radios qui se n'a gué à faire le passé dans bêtise. Oui. Ou à son Abdou, c'est pas coup d'État vraiment, c'est pas tuer le président vraiment, et pourtant, soit regarder tweet John Joel Joseph fait 6 février 2021 qui toujours sous compte Twitter li, ou même John Joel Joseph t'est dans tentative tuer le président 7 février sous habitation Vobio dans Tibois 7 février 2021. Mais c'est exactement parce que depuis 7 février 2021 nous senti que la famille Vob
te décidé pour l'enlever président Jovenel Moïse. Imaginons si yo te réussi faire ça. Mais ça qui moi me trouver grave Stanley pour gros et faut pas oublier. Oui, pas oublier non. Pas oublier que madame Dimitri Rob son boulot lié. Expliquez peuple là. Madame Dimitri Rob son fille boulot lié. Wow. Son famille boulot. Ça veut dire que c'est deux familles qui sont liées, c'est deux familles qui travaillent ensemble. C'est ça, par les liens du mariage et des intérêts économiques. Wow. Ouais, ça m'a mis dans le reste. Comment tu vas faire? Non, comment tu vas faire? Spaghetti, on va difficile de pouvoir chercher. Wow. C'est vrai. Bon, Mousta, nous sommes en seule famille. C'est 40 millions. C'est 40 millions de gouttes qui dépensent aujourd'hui à Mbabali dans la radio. Et pas le reste. 40 millions de gouttes dépensent pour qui ça se tenne? Pour Stanley, pas passer dans la radio. Pour Mbabali dans la radio, sous 11 mois, président. Ah bon? 40 millions de gouttes dépensent. 40 millions. Good. Et pendant ce temps, il y a un peuple qui n'a grand goût, il y a un peuple qui besoin, il y a un pays qui besoin de développer, qu'on y a dépensé l'argent à gogo. Il y a même un qui joue un il y a une machine. Il va passer. Mais nous, et tout, il y a un vroom qui dépensé avec un soi-disant, mettez tête comme journaliste, en de pays qui a posé des questions, et donc, on peut le cop qui a dépensé là, juste pour que. Yo même yo capable enrichir ti madame yo sous côté en de pays. Ouais mais c'est temps perdu. L'homme les réseaux sociaux. Mon les qui est Mr. Busta John, Mrs. Sarah. Ouais, ouais, babou qui est sur les réseaux sociaux, Mr. Busta John. Non. On est pas capable de faire ça. Lucas. Gon bagay ko voye, bon ba konn ki signification liye, est-ce qu'on a bonne signification? Moi 11 Byron Street, Spring Valley, New York. Yo di gen le FBI pou lan bad yo nan Byron Street, Byron si se vre. E moun mwoye fè ket moun cheke la pou gade. Mwen mboko konfime, mwen mbavle pale de li, basi mboko konfime. Ok. Oui, men se te exactement, nou men nou apren sa tou, basi nou ton konfirmasyon, paske avek konfians pe, nou bavle nan sine. Nous va confirmer lui pour ça nous va bailler nous même oui et peut-être nous va venir avec lui nous va venir faire show off non plus avec lui parce que fuck yo ban non exactement pour nous capable bailler peuple là pour après pour nous pas dire oh excusez-nous c'est une fake news dit hier mais nous t'a des plusieurs actions qu'a posé mais Lucas comment ça que nèg yo peur comme ça et en de pays là nous est que ou c'est bouchon Ndradou Dimitri Vob et Reginald Boulos pour que ça a fait toute dépense ça pour capable passer dans radio en Haïti. Mouska, Luka, position que m'a pren yo, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde qui a grandi yo. Pour yo ka jwenn un pays qui gen opportunité économique, pour yo ka gen la paix, pour yo ka gen sécurité, pour yo ka respirer. Moi même, gade, c'est conviction qui mette m'la. C'est croyance dans le pays qui mette m'la. Pas l'argent, conviction. C'est pas l'argent, c'est volonté liée, c'est conviction liée. Donc moi-même, Mouska sous la Lombard. Yes. C'est 1995, mais 21, groupe de Boudon, groupe Black Out là. 1995. En 1995, oui. Ok. Chaque fois que monte dans la radio, nèg yo dit bon Stanley, groupe de Boudon, groupe Black Out. Est-ce qu'on a combien de temps ça prend pour le peuple à venir comprendre qui c'est groupe de Boudon, qui c'est groupe Black Out là? Oui. Oui. Son apostol là qui n'a fait, son évangile qui n'a pas défendu, et l'évangile ça qui n'a pas défendu. Et pas pour nous personnellement, et pour payer. Amen. Exactement. Exactement. Mais parce que là nous inventons, oui. Là nous prenons nous, nous chita, nous faisons réflexion, nous inventons groupe de boudon, nous inventons groupe blackout. C'est pour mettre lumière dans tête peuple là, pour dire peuple là, mais qui j'en ai à bolo. Et depuis là, ça, je vais essayer d'expliquer peuple là, et c'est son fait tout Mousta avec Sarah. Oui. Dossier qui est important pour avenir, c'est le dossier économique de l'État. Oui. Si vous même comme citoyenne, vous ne pas maîtriser le dossier économique de l'État. Vous ne pas avoir qui j'ai oligarque qui question de la pio dans le blackout, qui j'ai la pio dans le gaz, qui j'ai la pio dans la sifactiration ou tapon, qui j'ai la pio dans le trafic de dollars et dans le volet de la diaspora. Oui. Comment la pio dans l'ONA, comment la pio dans le BMP, dans le EDH. Vous ne pas besoin de monde. On va besoin de monde sur un dossier ça. C'est vrai. Parce que la politique, c'est d'abord l'économie.
Nèg y a pio en dedans l'état et en dehors l'état dans tout monopole commercial et privé que nèg yon gen engrais yo diris yo sucre yo farine yo l'huile yo ciment yo engrais yo quelque chose ça cap vendre là c'est yon gen monopole là c'est ou même là y a pigé à terre Lucas nous connaît que en Haïti ça qui était plus gros. Moi, je me suis dit, ça qui te qu'on fait parler de Haïti en pile, nous connaissons Rome Babanko. Nous connaissons Rome Babanko, il y a plusieurs médailles pour le pays d'Haïti. Mais là, nous voyons que si ça qui te retenait Rome Babanko, là, nous voyons que Américains mettent droit de veto sous lui. Qui sont-ils qui ont dit dans ça? Comme non, bagay. Depuis la classe primaire, la classe dixième, dans Saint-Jean l'Évangéliste, professeur Métellis, avec Maître Valentin, c'est eux-mêmes qui ont la première notion économiquement dans la classe de 10e dans l'école primaire. Je dis que l'économie en pays a marché, c'est les sons exportés, ça veut dire sont vous et vendre à l'étranger, égal ou supérieur à sont importés. Donc, exemple, quand vous avez la Sahara, c'est ça les bourgeois. Bourgeois, il produit Womba Banco. Bourgeois qui bon, il produit Womba Banco. Il exploite sa pays à gagner en matière de production. Il faut la planter canne pour faire Womba. Bourgeois, il crée travail dans l'usine côté la faire Womba. Il exporte Womba, il fait dollars entrer dans le pays. Il bon pour l'économie pays. Même si on a comment il est, Mourayo qui n'en fait pas de tomates. Il ne plante pas de tomates. Pour qu'on fait pas de tomates là, transformer nos usines agro-industries, on va dans un quoi des bouquets. Il est à bourgeois. Parce qu'il y a créé richesse, il y a créé travail. Mais même pas un problème à bourgeois. Qu'a créé richesse, qu'a créé travail. Il y a un problème à oligarque, qu'a pillé l'État et qu'a pillé le peuple là. Et c'est pour ça, que y a eu le président Jovenel Moïse. Parce que, en économie marché, sous sa relais, la consommation locale, la production locale. Ici, aux États-Unis, là, Canada, à côté de nous, peuple américain, tout cas, vous n'avez pas acheté, produit qui fait aux États-Unis. C'est lui qui fait l'économie, fort. L'économie de la Chine, commencer à orienter la direction ça, oui. Sous consommation nationale. Oui. Donc, nous-mêmes, si nous voulons l'économie, il faut qu'il y ait une production départementale, production municipale, production nationale, pour garder l'activité économique. Réseau qui fait l'Oraïe Jovenel. Les jeunes commencent à valoriser terre, valoriser route qui pour faciliter l'échange économique. Monsieur Vincent Pessal Pavlé, en face aux ligues.